Au sommaire de ce 7 minutes, EcoBank Côte d'Ivoire présente son nouvel espace de libre-service dédié aux transactions financières. La Côte d'Ivoire veut aboutir à une réconciliation vraie. Les autorités en charge de la question ont invité à Abidjan un conférencier sud-africain afin de bénéficier de ses conseils. 6 juillet 1983, 6 juillet 2023, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a célébré ses 40 ans d'existence. Faire ses transactions financières de façon autonome et en toute quiétude. C'est désormais chose possible à l'espace de libre-service digitaux d'EcoBank Plateau. Jeudi 13 juillet, il a été présenté au public. Aujourd'hui, les choses ont changé parce qu'on a prévu un espace digital qui permet donc au client d'être totalement libre. Il a la possibilité de partir et de tirer son relevé, de tirer son RIB, de voir son solde sans pour autant chercher à rencontrer une personne à la clientèle. Et donc, en 5-10 minutes, le client il est parti. Et même des transactions basiques, je veux parler de faire un retrait par exemple à la caisse, en moins de 10 minutes aujourd'hui, le client est servi. C'est-à-dire qu'il y a tout un dispositif qui a été mis en place aujourd'hui dans cette nouvelle agence pour permettre aux clients de pouvoir gagner du temps et de pouvoir vaquer à ses occupations. Dans un environnement macroéconomique en pleine mutation face à la révolution technologique, cette agence aux libres services digitaux veut tirer un meilleur profit de cet environnement et générer une croissance en rentabilité pour toutes les parties. On a créé plusieurs espaces à l'intérieur de l'agence, un espace libre service où le client peut se servir, donc c'est l'espace digital. On a essayé aussi d'optimiser les temps d'attente en permettant aux clients d'avoir de la formation, de profiter de ce qu'on appelle une agora lorsqu'on est en train d'attendre pour des services, et aussi en essayant de former de manière spécifique toutes nos équipes qui sont à l'intérieur de cette agence pour que ces équipes soient obsédées par l'envie de donner la meilleure expérience possible à chaque client qui rentre dans cette agence. Redéfinir l'expérience bancaire, innover et mettre la clientèle au centre de tout, telle est l'ambition de cette nouvelle agence vitrine, selon Paul-Harry Etnard. Pour réussir sa réconciliation nationale, la Côte d'Ivoire veut se servir de l'expérience sud-africaine. Ce partage d'expérience est animé par le professeur Satavisan Cooper, un artisan emblématique de la réconciliation nationale en Afrique du Sud après l'apartheid. À la demande du ministre gouverneur Begré Mambé, il a donné une conférence le vendredi 14 juillet au district d'Abidjan en présence des chefs traditionnels, des femmes, des jeunes et des responsables de la société civile. Some thoughts. Personne ne pourrait vous exploiter sauf si vous lui permettez de le faire concernant votre vision de réconciliation. C'est très important de ne pas garder le démon du passé, donc en soi dans le cœur de personne. Il n'y a pas de victorieux ni de victimes. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous la même biologie. Nous appartenons tous à la même race, à la même humanité. Je suis très heureux de constater que dans votre pays, vous avez des jeunes leaders, des leaders plus âgés, d'un certain âge, qui sont intéressés et qui s'impliquent dans la création d'une nation, d'une seule Côte d'Ivoire. Conscient de la nécessité de la réconciliation pour le développement de la Côte d'Ivoire, les ministres Begré Mambé et Konan Kwadio Bertin ont salué cette conférence et la visite du professeur Satavisan Cooper en terre ivoirienne. La réconciliation formalise le social. C'est pourquoi nous sommes heureux de la présence du professeur Satavisan Cooper, que je vous demande d'acclamer très fort. Le temps qu'on a mis pour bâtir le pont qu'on va inaugurer dans 3 jours, le 3. Mais il suffira simplement qu'un seul voyou en une journée avec une bombe se pointe là et brise ça. C'est ce qu'il nous a enseigné ce matin. S'il vous plaît. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas perdre de temps. La réconciliation et la cohésion, c'est le moteur de notre vie sociale. Psychologue, le professeur Satavisan Cooper est depuis 2012 premier président africain de l'Union internationale des sciences psychologiques, une organisation des Nations unies regroupant 90 organisations nationales de psychologie et plus de 20 organisations régionales. Il dit être venu aider le peuple de Côte d'Ivoire à bâtir une nation unie et fraternelle. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a célébré ses 40 ans d'existence. Opportunité pour les maires d'évaluer le chemin parcouru jusque-là afin de mieux se projeter dans l'avenir et réitérer leur plaidoyer pour une gouvernance locale performante en Côte d'Ivoire. En ce jour exceptionnel, nous nous retrouvons
Pour réaffirmer notre engagement en faveur du développement harmonieux de nos villes communes, conformément aux principes fondateurs de l'éducation. 40 magnifiques années, et depuis le début de notre union, s'efforce d'établir et de consolider les liens de solidarité entre nos collectivités dans le but d'harmoniser nos actions et de contribuer à l'amélioration de l'administration locale. L'UVIC aussi est une fédération de 201 maires dont l'une des missions est d'appuyer la politique de communalisation et plus généralement de contribuer au développement de la politique de décentralisation du gouvernement. C'est l'occasion d'avoir le souvenir de nos devanciers qui ont tracé les sillons. Ça a été l'occasion de porter témoignage de leur action pour la transformation de la vie de nos concitoyens. Ils ont donné de leur force, de leur énergie pour apporter le bien-être à l'ensemble de nos concitoyens. Ils ont investi dans la transformation de nos villages, de nos quartiers. Ils ont agi pour apporter de la santé, l'éducation, pour apporter les services sociaux de base. Et aujourd'hui, après 40 ans, nous leur rendons un vibrant hommage. Renforcement de capacités, participation à tous les débats autour de la question de la décentralisation et du contrôle financier dans les mairies sont quelques acquis de l'UVIC aussi. Sur un terrain de 2610 mètres carrés est prévue la construction du nouveau siège de l'institution, dénommé la Maison des maires. La Côte d'Ivoire a décroché vendredi 14 juillet son billet pour la finale de FIBA AfroCan 2023. Les éléphants basketteurs ont battu le Rwanda 74 à 71. Dimanche 16 juillet, ils affrontent en finale le Maroc, vainqueur de la RDC dans l'autre demi-finale 76 à 69. Au cours des quarts de finale, les éléphants ont dompté les aigles de Carthage avec un score de 69 à 66, ce qui leur a valu cette importante qualification. La FIBA AfroCan est une compétition quadriennale destinée aux joueurs africains qui évoluent sur le continent. C'est le CHAN du basketball. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info.